Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle course Formula 1, premier du nom sur PlayStation 1, avec l'avant-dernière manche, déjà. Et c'est au volant de la Footwork Art de Gianni Morbidelli que nous allons courir cette manche. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Footwork, bah c'est juste Arrows, en fait, renommé avec le nom du sponsor. Oui, c'est comme si vous appelez Ferrari Marlboro. Voilà, c'est le même principe. Et le circuit en question est la manche japonaise de Suzuka. Circuit ô combien aimé par les pilotes. Bon alors, concernant Gianni Morbidelli, pas grand chose à dire sur ce pilote, si ce n'est qu'il a remplacé Alain Prost à la fin de l'année 91, quand il s'est viré chez Ferrari, et qu'il a fini 6ème lors du Grand Prix d'Australie 91, qui ne s'est pas achevé. Du coup, il a marqué un demi-point. Il a sûrement fait d'autres résultats, mais j'ai que celui-là en tête. Bienvenue à Suzuka au Japon. Et c'est parti. Donc comme d'hab, on part dernier, on essaie de remonter le plus haut possible. Tout se passe presque bien. Oula, ça s'accroche avec... Aïe, aïe, c'est une McLaren ? Si basse ? Ouf, ça va me faire doubler. On essaye de rouler propre, mais c'est très 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 difficile. Hein. Ah, en plus je me suis accroché avec mon équipier. C'est pas super. Oh là là, je suis pas bon là. C'est de l'arcade, mais on peut pas faire n'importe quoi non plus. Et j'ai du mal à vraiment dépasser. Ça y est, enfin, on a dépassé notre équipier bouchon. Dommage, on a bien doublé la McLaren, mais la Sauber, c'était plus compliqué. On est quand même très très loin, le 14e, la victoire va être compliquée. On l'a presque bien pris, hein, chicane. Donc, avec le barème actuel, nous serons à la porte des points. Bon, là, nous sommes assez loin, parce que les points ne sont que pour les 6 premiers. Donc, il nous reste quand même 2 tours pour remonter un peu en 11 places. Pour perdre le temps, mais voilà, si on roule trop à l'extérieur, forcément, en haut de la piste, forcément on perd du temps. Extérieur, ça passe pas, ouais. Dans les S. Compliqué de doubler là. Oula, full attaque, la deuxième sauveur, on est 9ème, c'est bon ça. Ah, je me suis empalé dans la Jordan là, c'est pas ce que je voulais faire, je le freinais beaucoup, beaucoup trop tard. Ah, ça y est, on est rentré dans les points, on est d'un coup là. Ils sont donc déjà 5e, mais ils sont loin devant les 4 premiers. Ah, ça y est, on en voit un. Des erreurs comme ça vont me coûter très cher.
c'est pas trop raté finalement. On est bien sorti par rapport à celui d'avant. Mais c'est compliqué de gagner là. Nous arrivons au dernier tour. Il gagne nettement du terrain. Oh, ouf. Oh, comme il a freiné fort. J'ai pas réussi à le doubler à l'entrée des S. On double en dernier S. C'était compliqué quand même. Un peu forcé. Et bien la victoire ne sera pas pour aujourd'hui, sauf si les trois premiers sont roue dans roue. Ça n'a pas l'air d'être le cas parce que j'ai vu que le deuxième et le troisième. Poursuite. Éviter de rester trop sur les vibrants en plus, qui vous scotche. Alors on va peut-être faire un podium. C'est impensable. Il y a eu un accrochage entre les deux voitures. Il vient de gagner de place. Je suis sur le podium, c'est bien, mais la victoire que je cherchais. Mais voilà, ouais, j'ai perdu énormément de temps dans les S, sur les trois tours d'ailleurs. Il a gagné de précieux secondes. Quel pilote! Et bien ce sera la deuxième place peut-être. Ouais, et pas loin du premier, c'est dommage, vraiment que j'ai raté mes S. On n'a pas été bloqué à chaque fois. La lutte aurait été plus serrée. Mais ce sera, hélas, une deuxième place. Un peu déçu, mais bon. C'était quand même très sympa. Une 35, ça fait beaucoup, beaucoup d'écart. J'ai perdu énormément de temps. En fait, au premier tour, du coup. C'est là où j'ai été très mauvais. Voilà, voilà, c'était donc le Grand Prix de Suzuka sur une petite défaite, vu qu'il s'agit d'une deuxième place. Mais j'ai jamais pu me battre pour la première, donc c'est un peu dommage. J'espère que cette course vous aura plu. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée